Oui, salut à tous, je me présente Christophe Salis, entraîneur du Full Contact Soudiaké et organisateur du tournoi du Dragon. Donc là, on a eu l'idée de vous proposer une manifestation en live qui aura lieu samedi prochain, le samedi 10 avril, afin de vous présenter les combattants qui sont venus. Et on a fait une sélection de 14 combats. Ça va se présenter comme une manifestation classique avec 7 combats, un entracte d'un quart d'heure environ, et ensuite on reprendra sur 7 autres combats. Donc on a fait une sélection sur 150 combats que comportait ma vidéothèque, et on a essayé de proposer une sélection qui peut faire quelque chose de sympathique au niveau d'une soirée. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose cette année avec les moyens du bord. Donc je voulais vous présenter la fight card. Voilà, la fight card. Donc le premier combat, nous aurons Jean-Marie Piedzak, parce qu'il faut quand même savoir que cette idée m'est venue aussi pour rendre hommage à Jean-Marie qui malheureusement nous a quittés tragiquement en octobre dernier. Donc voilà, on va rester positif et en sa mémoire faire cette manifestation via YouTube. Donc bien évidemment, vous avez la chaîne YouTube en haut, d'accord? Donc vous voyez www.youtube.com/user/salisfull. Donc vous abonnez à ma chaîne et vous pourrez accéder gratuitement, j'ai bien dit gratuitement, donc à cette manifestation qui aura lieu samedi 10 avril à 20h. Donc premier combat, comme vous le voyez, Jean-Marie Piedzak et Edinette Slimani. C'était en junior full. Ensuite, combat numéro 2, Christophe Touzeau, Yannick Tamas. Le combat 3, Joël Cazeneuve contre Pierre Coronis. Combat 4, combat international, Rémi Salis avec Martin Muret. Combat numéro 5, William Saidi contre Yoann Portallier. Combat numéro 6, Iskien Kouger contre Dorian Alves. Donc numéro 7, autre combat international, Eddy Lacrosse contre Nisiolek, donc de Pologne. En combat numéro 8, donc on aura l'entracte juste avant. Combat numéro 8, ce sera pour la ceinture donc intercontinentale de Lilian Côté face à André Hels. Nous entrons dans une finale du tournoi du Dragon, d'où les petits logos qu'il y a sur le côté, avec Michael Gérard contre Sylvain Chambaudry. Ensuite, nous avons Sébastien Passe contre Nazaef pour une autre finale tournoi du Dragon. Ensuite, nous allons combat 11 sur un Super Fight Pro international avec Patrick Madis, qui était donc face à Giorgio Valerio. Nous avons combat numéro 12, un autre Super Fight, c'était en classe A à l'époque, donc vous voyez 2018, de Guéric Billet face à Benjamin Boutet. Nous avons donc en combat numéro 13, l'avant-dernier combat, une finale pro du tournoi du Dragon, Frédéric Fissé contre Cédric Doumbé. Et nous finirons comme on a commencé avec Jean-Marie qui combattra contre Clément Bibard, et c'était donc en 2018 lors du tournoi du Dragon 12. Voilà, donc là vous voyez, il y a quand même matière à faire. Je suis certain que ça va plaire à beaucoup de personnes, des personnes qui étaient présentes, qui vont revivre cette manifestation, les boxeurs également qui vont pouvoir revoir pour la première fois peut-être leur propre combat. Parce qu'ils l'ont vécu, mais ils l'ont peut-être pas vu. Donc, par conséquent, ça va faire aussi des bons souvenirs. Et puis voilà. Donc, on va essayer de faire quelque chose de vraiment interactif, où je vous présenterai tout ça en live. Et ensuite, donc, petit à petit, je vous lancerai les combats. Donc, en 20h, il y aura la prise d'antenne. Vous pouvez venir un petit peu avant. Vous allez voir des petits teasers et ainsi de suite. Comme vous le voyez là, ici en bas, nous mettons en valeur aussi tous les partenaires qui nous ont aidés depuis de nombreuses années. C'est très important. Sans eux, on ne pourrait pas faire ces manifestations. C'est primordial d'avoir leur appui financier et leur appui donc moral. Et voilà, voilà, j'ai essayé de regrouper ça sur un travail d'à peu près un mois et demi pour vous présenter vraiment un condensé de super fight. Et j'espère que ça va vous plaire. Je sais que les boxeurs qui vont être à cette soirée, qui m'ont contacté après que je leur ai dit ceci, étaient vraiment très enthousiastes. Et j'espère que ce sera de la même pour vous. Et puis voilà. Et je tenais à remercier tous les boxeurs qui sont venus à cette manifestation, tous les coachs qu'ils ont préparé durement, ainsi que, comme j'ai dit, tous les sponsors,
tous les bénévoles qui nous ont aidés et ceux qui m'ont aidé, bien évidemment, à chercher tous ces partenaires. Il y a eu énormément de personnes depuis le début qui m'ont aidé et donc je leur en remercie, qu'ils soient toujours présents ou pas. Voilà, il y a des choses qui se sont faites, donc c'est aussi grâce à eux, on ne peut pas s'attribuer toutes les choses. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites donc pour cette manifestation depuis 2006. Et voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et je vous lance le petit teaser. Et tout simplement, je vous dis à samedi prochain. Allez, bon dimanche à vous.